Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques par le cabinet avocat Landau Associés pour VK. La semaine dernière, on a regardé ce qui s'était passé en juillet et en août 2024 en matière de fonctions publiques, d'agents, d'institutions, d'élections, de responsabilités, de finances publiques, etc. Voyons la même chose maintenant, ce qui s'est passé cet été 2024 en matière de contrats, de services publics ou d'autres activités, d'aide, environnement, urbanisme, domaine public, sanitaire et social. Commençons par les contrats. Est-ce que l'acheteur public est astreint à un silence monastique ? Non, nous répond le Conseil d'État le 24 juillet. On a bien le droit de s'exprimer un petit peu et de, au besoin, de critiquer certaines offres. Ça ne vicie pas forcément l'analyse et l'attribution ensuite. Oui, mais il y a eu parfois des jugements ou des arrêts en sens contraire. Donc, prudence. Mais cet arrêt est utile à avoir sous le coude si on vous reproche de vous être exprimé sur votre insatisfaction sur un candidat qui était le sortant, par exemple. Est-ce que la notation d'un marché public peut passer par un système de code couleur ? Bah oui, dans le principe, ça on savait déjà depuis 2022 notamment. Enfin, faut pas que ça aboutisse à du n'importe quoi non plus et qu'on traite avec des couleurs différentes des offres qui, sur certains aspects, seraient comparables, nous dit le Conseil d'État. Et puis, est-ce qu'en concours, l'acheteur est tenu de suivre l'avis du jury ? Non, nous confirme le Conseil d'État. Ceci dit, quand on ne le fait pas, il y a quelques petites mesures de prudence juridique à avoir à l'esprit quand même. Le Conseil d'État a rendu une autre décision qui nous dit que s'il y a des contradictions dans un DCE, eh ben parfois ça ne viciera pas l'attribution. C'était au candidat de se rendre compte, de poser au besoin des questions si ces contradictions sont aisément décelables, nous le dit le Conseil d'État. Et en plus, ce n'était peut-être pas forcément. Quelques nouvelles règles, trois règlements importants ont été adoptés à l'échelle européenne sur la restauration de la nature, mais il y a des conséquences en matière de marché public. Il y a un règlement sur l'éco-conception des produits, mais avec un article 65 qui est très important et qui impose dans certains cas des valeurs limites obligatoires de pondération, ce qui est quand même assez nouveau, et un autre sur tout ce qui est mobilité. Et puis les mini-brèves en matière de contrat, que voici, que voilà. Passons au service public. Une région avait voulu priver du pass région les jeunes inciviques. L'hôtel de Lyon estimait que c'était pas forcément impossible, mais faut-il dans ces cas-là un minimum de rigueur sur la précision des comportements fautifs à sanctionner, sur les remontées d'informations, le contradictoire avant qu'il y ait ces sanctions. Autre décision, un simple théâtre, celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous dit, à ma connaissance, c'est la première fois qu'on se prononce sur ce point, est-ce qu'un SDTAN, chemin directeur en matière d'aménagement numérique, est un acte attaquant en justice ? Non, nous dit l'ETA, en l'espèce, sujet qui reste débattu. Le tribunal des conflits, quant à lui, nous a dit que les crématoriums sont bien des SPIC, des services publics industriels et commerciaux, ce qui pour le personnel, ce qui pour les finances, qui a beaucoup de conséquences. Et pour ceux qui sont aujourd'hui en SPA, ça peut poser quelques difficultés. Et puis les mini-brèves, que voici et que voilà. Passons maintenant aux aides. Peu de choses, le fait que le Théâtre Lyon, lui de nouveau, a estimé que quand on passe des conventions avec des associations subventionnées, vous savez qu'il y a un régime aujourd'hui de contrat d'engagement républicain. Eh ben, on ne peut pas l'avenanter, on ne peut pas le changer, le renforcer, le durcir dans son principe même, nous dit le Théâtre Lyon. Bon, en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre par la convention d'objectifs, mais bon. Et puis, autre décision, Théâtre de Rennes cette fois, une commune, la ville de Rennes, avait mis dans ses différents coefficients d'appréciation des associations qui ensuite allaient donner lieu à subvention, la prise en compte des non-binaires. Est-ce que c'est illégal ? Est-ce que ça fausse tout ? Oui, on pouvait inclure cette non-binarité dans les critères d'appréciation pour le subventionnement, mais attention, les non-binaires n'étaient pas une catégorie à part avec son propre coefficient, sinon ça aurait sans doute posé des problèmes. Théa de Rennes. Et puis les mini-brèves, que voici. Grosse actualité environnementale maintenant. Quand on a dérogation espèce protégée pour une autorisation environnementale, l'éolienne en l'espèce, est-ce qu'on a une sorte de contrôle continu, vous voyez, qui fait que au fil du temps, on doit s'adapter à l'évolution de l'espèce protégée ? Réponse, oui, je simplifie quelque chose d'un peu plus subtil que ça. Le Théâtre Besançon a dit que quand il y a des assèchements de canaux par des effacements d'ouvrages,
qui risque de mettre en péril les droits d'eau, notamment pour les moulins, etc., fondés en titre, eh bien, dans ces cas-là, ça revient à les priver de ce droit et de la perte de ce droit, donc il faut remplacer par une expropriation, par exemple. En matière de droit minier, plusieurs décisions ont été rendues cet été, dont une qui nous dit bien que le réchauffement climatique peut être un paramètre d'octroi ou non de permis de recherche. Et la Cour de justice de l'Union européenne, de son côté, nous a dit que si le loup est nationalement dans un pays une espèce qui est en mauvais état de conservation, qui a besoin d'être protégée, alors elle le sera dans toutes les régions de ce pays. Je simplifie là aussi. Et puis, des textes réglementaires ont été adoptés sur les utilisations des eaux impropres à la consommation humaine, décret du 12 juillet 2024 et un arrêté du même jour. Et puis, quelques jours après, un autre décret sur les fameux budgets verts, avec une croissance progressive d'ici à 2027. Et puis, un règlement européen, encore un autre, sur la restauration de la nature. Gros et important document. Mais revenons aux éoliennes. En décembre 2023, le Conseil d'État nous avait dit que les communes pourraient, sous certaines conditions, être parties au contentieux sur les implantations d'éoliennes, sur les autorisations environnementales, mais a priori pas les départements et les régions. Oui, à relativiser. Hein. Si je suis un département, que j'ai un collège qui est en co-visibilité d'un projet d'éolienne, ça pourrait se discuter. Mais bon. Mais le 12 juillet 2024, le Conseil d'État a rendu une autre décision qui admet qu'en revanche, même si on n'est pas une partie au procès, on peut être un intervenant, intervention volontaire, au procès si on a une justification au titre de ses compétences. Par exemple, le tourisme pour les régions. Intéressant. Et puis beaucoup d'actualités, je vous l'ai dit, en environnement, donc je vais grouper plein de choses dans les mini-brèves. N'hésitez pas à mettre sur pause, car il y en a ici, et puis là, et puis encore ici, et puis encore là. Passons à l'urbanisme. Il n'y a pas, nous dit le juge, de régularisation quand un vice affectant la DUP est invoqué par voie d'exception contre l'arrêté de cessibilité. Ok. Autre chose, t'es à Nice cette fois-ci, une décision très intéressante quand j'ai un intérêt à agir en urbanisme et que, au jour de la date d'affichage de la demande de permis de construire, le voisin, futur voisin, allait se porter acquéreur, il avait signé un compromis de vente, mais qu'ensuite, au stade de la vente elle-même, c'est une société qui se substitue, qui devient le voisin. Et gros problème pour celui-ci s'il veut agir en justice pour cette société. Théâtre de Nice. Et puis les mini-brèves. Que voici. Et que voilà encore. Et que voici enfin. En matière de domaine, assez peu d'actualité, et de voirie, assez peu d'actualité. La publication du cahier des charges types pour les cultures marines sur le domaine public maritime. Et puis les mini-brèves. Que voilà. En sanitaire et social également, assez peu d'actualité, mais deux, trois petites choses intéressantes. Le TAS Strasbourg a rendu une décision intéressante, un jugement intéressant sur le fait que les photographies d'un dossier médical ne peuvent pas servir de cas pratique pour les étudiants en santé, sauf peut-être si la personne n'est vraiment pas identifiable, ou évidemment sauf accord express et éclairé du patient. Un décret sur l'expérimentation pour les départements en matière de services d'aide et d'accompagnement à domicile. Et puis, un important arrêt sur la responsabilité hospitalière sans faute. Et puis, les quelques mini-brèves que voici et que voilà. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de ceci pour VK. La semaine prochaine, on revient à notre format normal, des brèves, puis ensuite un dossier. Dans quelques mois, on vous présentera les brèves d'un côté et un dossier un autre jour de la semaine par ailleurs. Mais on vous en reparlera. En tout cas, en attendant, pensez à vous abonner et puis bon courage pour cette rentrée originale. Merci, au revoir.